أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية، aujourd'hui on va faire la correction de l'exercice numéro 24, fonction exponentielle. Résoudre dans R les équations suivantes. La première question, 3 à la puissance x plus 1 est égal à 5 à la puissance x. Première méthode. Je vais appliquer le logarithme népérien. Donc 3 à la puissance x plus 1, 5 à la puissance x, est équivalent à ln de 3 à la puissance x plus 1, est égal à ln de 5 à la puissance x, signifie que x plus 1, ln de 3, est égal à x, ln de 5, signifie que x, ln de 3, plus ln de 3 est égal à x ln 5 signifie que x facteur ln 5 moins ln 3 est égal à ln 3 signifie que x fois ln 5 sur 3 est égal à ln 3 signifie que x est égal à ln 3 sur ln 5 sur 3. La deuxième méthode. 3x plus 1 est égal à 5 à la puissance x signifie que 3 fois 3 à la puissance 5 est égal à 5, 3 à la puissance x est égal à 5 à la puissance x signifie que 5x sur 3 à la puissance x est égal à 3 signifie que 5 sur 3 à la puissance x est égal à 3. Je vais appliquer le logarithme de base 5 sur 3. Logarithme de base 5 sur 3, 5 sur 3 à la puissance x est égal à logarithme de base 5 sur 3 de 3. Signifie que x est fois logarithme base 5 sur 3 de 5 sur 3, c'est 1, qui est égal à logarithme de base 5 sur 3 de 3. Et il y a tout ça, oui, ln de 3 sur ln 5 sur 3. Donc l'ensemble de solutions, c'est le singuleton, logarithme base 5 sur 3 de 3. La deuxième question. À la puissance x sur 2 plus 1 est égal à 3 à la puissance x moins 3 est équivalent à ici c'est 2 fois 2 à la fois racine carrée de 2 à la puissance x est égal à 3 à la puissance x sur 3 à la puissance 3 c'est 27 signifie que 3 à la puissance x sur racine carrée de 2 à la puissance x est égal à 54. Signifie que 3 sur racine carrée de 2 à la puissance x est égal à 54. Je vais appliquer le logarithme de base 3 sur racine carrée de 2. 3 sur racine carrée de 2 à la puissance x est égal à logarithme 5 sur racine carrée de 2 de 54. Signifie que c'est x et le logarithme de base 3 sur racine carrée de 3 sur racine carrée de c'est 1 qui est égal à logarithme de 5 sur racine carrée de 2 de 54. Donc l'ensemble de solutions c'est logarithme de base sur racine carrée de 2 de 54. Troisième équation. C'est 2 à la puissance x plus 1 fois 3 à la puissance x plus 1 demi est égal à 3 racine carrée de 2 fois 6 à la puissance 2x. Signifie que ici c'est 2
fois 2 à la puissance x. Ici c'est racine carrée de 3 fois 3 à la puissance x est égal à 3 racine carrée de 2, 6 à la puissance 2x. Signifie que c'est 2 racine carrée de 3, 2 à la puissance x fois 3 à la puissance x, c'est 6 à la puissance x. Est égal à 3 racine carrée de 2, 6 à la puissance 2x. Signifie que 6 à la puissance 2x sur 6 à la puissance x est égal à 2 racine carrée de 3 sur 3 racine carrée de 2. Signifie que 6 à la puissance x est égal à racine carrée de 2 sur racine, c'est racine carrée de 2 sur 3. Je vais appliquer le logarithme de base 6. Signifie que logarithme base 6 de 6 à la puissance x est égal à logarithme base 6 de racine carrée de 2 sur 3. Signifie que x est égal logarithme base 6 de racine carrée de 2 sur 3. Et l'ensemble de solutions, c'est logarithme base 6 de racine carrée de 2 sur 3. Je passe à la question suivante. C'est 1 sur 13, x au carré moins 3x est égal à 169. Signifie que c'est 13 à la puissance moins x au carré moins 3x est égal à 13 au carré. Ce qui signifie, en appliquant le logarithme de base 13, de 13 à la puissance moins x carré moins 3x est égal à logarithme de base 13 de 13 au carré. Ce qui signifie que moins x carré plus 3x est égal à 2. Ce qui signifie que x au carré moins 3x plus 2 égale 0. Signifie que ça c'est x moins 2, facteur de x moins 1 égale 0, signifie que x est égal à 2, ou x est égal à 1, donc l'ensemble solution c'est 1 et 2. La question suivante, c'est 7 à la puissance x égale à 3 à la puissance x au carré. Je peux appliquer le logarithme népérien. C'est le logarithme népérien de 7 à la puissance x est égal au logarithme népérien de 3 à la puissance x au carré. Signifie que x logarithme népérien de 7 est égal à x au carré logarithme népérien de 3. Signifie que x au carré logarithme népérien de 3 moins x logarithme népérien de 7 égale 0. Je factorise par x, c'est x logarithme népérien de 3 moins logarithme népérien de 7 égale 0. Signifie que x est égal à 0 où x est égal logarithme népérien de 7 sur logarithme népérien de 3. Donc il y a logarithme de base 3 de 7. Donc l'ensemble de solution, c'est 0, logarithme base 3 de 7. Je passe à la question suivante. C'est 9 os x moins 3 puissance x plus 1 moins 54 est égal à 0. Signifie que ça c'est 3 à la puissance 2x moins 3 fois 3 à la puissance x moins 54 est égal à 0. En remplaçant 3 à la puissance x par t, on va trouver une équation de second degré dont delta est égal à 9 plus 4 fois 54
c'est plus 216, qui est égal à 225, et 225, c'est 15 au carré. Donc 3x est égal à 3 moins 15 sur 2, qui est égal à moins 6, c'est impossible. Et 3 à la puissance x est égal à 3 plus 15 sur 2 est égal à 9. Les 3 au carré signifie que x est égal à 2. Donc l'ensemble solution, c'est le singleton 2. Je passe à la question suivante. C'est 5 à la puissance 2x plus 2 moins 126 fois 5 à la puissance x plus 1 moins 125 est égal à 0. Est équivalente à, non, 5 au carré, c'est 25 fois 5 à la puissance 2x moins 126 fois 5 fois 5 à la puissance x moins 125 est égal à 0. Je vais simplifier par 5. Je prends les 5 fois 5 à la puissance 2x moins 126 fois 5 à la puissance x moins plus 25 égale 0. C'est plus ici. Alors delta est égal 126 moins 126 au carré moins 500 qui est égal à 15376. L'IA est égal à 124 au carré. Donc, donc 5 à la puissance x est égal à 126 moins 124 sur 10 qui est égal à 2 sur 10, c'est 1 sur 5, qui est égal à 5 à la puissance moins 1, ce qui signifie que x est égal à moins 1. Et 5 à la puissance x est égal à 126 plus 124 sur 10, qui est égal à 25, qui est égal à 5 au carré, signifie que x est égal à 2. Donc l'ensemble de solution, c'est moins 1 et 2. Je passe à la question suivante. C'est 4 à la puissance x plus 1 plus 2 fois 4 à la puissance moins x est égal à 7. Signifie que ici c'est 4 fois 4 à la puissance x plus 2 sur 4 à la puissance x est égal à 7. Signifie que 4 fois 4 à la puissance 2x moins 7 fois 4 à la puissance x plus 2 égale 0. Alors delta est égal 49 moins 32. 49 moins 32, c'est 17. Donc x à la puissance 4 est égal à 7 moins racine carrée de 17 sur 8 signifie que x est égal logarithme base 4 de 7 moins racine carrée de 17 sur 8, 4 à la puissance x est égal à 7 plus racine carrée de 17 sur 8 signifie que x est égal logarithme base 4 de 7 plus racine carrée de 17 sur 8. Donc l'ensemble de solutions, c'est logarithme base 4 de 7 moins racine carrée de 17 sur 8
et 7 et logarithme base 4 de 7 plus racine carrée de 17 sur 8. Je passe à la question suivante. C'est 100 à la puissance x moins 1/2 moins 12 fois 10 à la puissance x moins 1 plus 2 égale 0 est équivalente à C 10 à la puissance 2x sur 10 moins 12 sur 10 fois 10 à la puissance x plus 2 égale 0. Je vais multiplier par 10 signifie que 10 à la puissance 2x moins 12 fois 10 à la puissance x plus 20 égale 0. Alors delta est égal 144 lié 12 au carré moins 80 est égal à 64. Donc 10 à la puissance x est égal à 12 moins 8 sur 2 qui est égal à 2. Ce qui signifie que je vais appliquer le logarithme décimal signifie que logarithme décimal de 10 à la puissance x est égal à logarithme décimal de 2 signifie que x est égal à logarithme décimal de 2. Ou 10 à la puissance x est égal à 12 plus 8 sur 2 qui est égal à 10 signifie que x est égal à 1. Donc l'ensemble solution, c'est logarithme décimal de 2 et 1. La question suivante, c'est 7 à la puissance x plus 2 moins 7 à la puissance moins x moins 1 est égal à 6. Est équivalente à. Et si c'est 7 fois 7 à la puissance x plus 1 moins 7 moins 1 sur 7 à la puissance x plus 1 est égal à 6. Signifie que 7 fois 7 à la puissance x plus 1 au carré moins 6 fois 7 à la puissance x plus 1 moins 1 est égal à 0. Alors delta est égal 36 plus 28 qui est égal à 64. Donc 7 à la puissance x plus 1 est égal à 6 moins 8 sur 14 est égal à moins 1 sur 7. C'est impossible. 7 à la puissance x plus 1 est égal à 6 plus 8 sur 14 est égal à 1 signifie que logarithme base 7 de 7 à la puissance x plus 1 est égal à logarithme base 7 de 1 est égal à 0. Signifie que x plus 1 est égal à 0 signifie que x est égal à moins 1. Donc l'ensemble de solution, c'est le singleton moins 1. Je passe à la question suivante. C'est 100 à la puissance 2x moins 10 à la puissance 2x plus 1 plus 9 égale 0. Équivalent à 100, c'est 10 au carré à la puissance 2x moins 10 fois 10 à la puissance 2x plus 9 égale 0. Naya, 10 à la puissance 2x au carré moins 10 fois 10 à la puissance 2x plus 9 égale 0. Alors delta est égal à 100
moins 36 est égal à 64. Donc 10 à la puissance 2x est égal à 10 moins 8 sur 2. 10 moins 8 sur 2, c'est 1, qui est égal à 10 à la puissance 0, signifie que 2x égale 0, c'est-à-dire x égale 0. 10 à la puissance 2x est égal à 10 plus 8 sur 2 est égal à 9, ce qui signifie que logarithme décimal de 10 à la puissance 2x est égal à logarithme décimal de 9, signifie que 2x est égal à logarithme décimal de 9, signifie que x est égal à 1 demi. Logarithme décimal de 9, il y a racine carrée de 9, il y a x est égal logarithme décimal de 3. Donc l'ensemble de solution, c'est 0 logarithme décimal de 3. Je passe à la question suivante. 2 à la puissance 2x moins 6 à la puissance x est égal à 2 fois 3 à la puissance 2x. Voilà la première méthode. Ici c'est 2 à la puissance 2x moins 6 à la puissance x sur 3 à la puissance 2x est égal à 2. Signifie que 2 à la puissance 2x sur 3 à la puissance 2x moins 6, je vais l'écrire sous la forme 2 à la puissance x fois 3 à la puissance x sur 3 à la puissance 2x est égal à 2. Signifie que 2 sur 3 à la puissance 2x moins, je simplifie par x à la, 3 à la puissance x, il me reste 2 sur 3 à la puissance x moins 2 égale 0. Donc ici, delta est égal 1 plus 8, c'est 9. Donc, 2 sur 3 à la puissance x est égal 1 moins 3 sur 2 est égal à moins 1, c'est impossible. 2 sur 3 à la puissance x est égal à 1 plus 3 sur 2 est égal à 2. Signifie que logarithme de base 3 sur 2 de 2 sur 3 à la puissance x c'est égal logarithme de base 2 sur 3 de 2. Là, certaine x est égal logarithme de base sur 3 de 2. Donc l'ensemble de solution, c'est logarithme de base sur 3 de 2. La deuxième méthode. Donc, ce que je vais faire, maintenant, 2 à la puissance 2x moins 6 à la puissance x est égal à 2 fois 3 à la puissance 2x. Elle est équivalente à 2 à la puissance x au carré moins 2 à la puissance x fois 3 à la puissance x est égal à 2 fois 3 à la puissance x au carré. Signifie que 2 à la puissance x au carré, je vais ajouter ici des deux côtés 2 à la puissance x fois 2 à la puissance 3x. Maintenant, moins 2 à la puissance x fois 3 à la puissance x, plus 2 fois 2 à la puissance x fois 3 à la puissance x est égal à 2 fois 3 à la puissance x au carré, plus 2 fois
2 à la puissance x fois 3 à la puissance x. Équivalente à 2 à la puissance x au carré plus 2 à la puissance x fois 3 à la puissance x égale 2 fois 3 à la puissance x au carré plus 2 facteurs de 2 à la puissance x fois 3 à la puissance x. Je vais factoriser ici par 2 à la puissance x. C'est 2 à la puissance x plus 3 à la puissance x égale. Je vais factoriser ici par 2 fois 3 à la puissance x. C'est 3 à la puissance x plus 2 à la puissance x. Où la dina, un facteur commun. C'est 2 à la puissance x plus 3 à la puissance x, facteur de 2 à la puissance x moins 2 fois 3 à la puissance x égale 0. Signifie que Hadi ne peut pas être égal à 0. C'est toujours supérieur strictement à 0. Donc, Hadi, 2 fois 3 à la puissance x est égal à 2 à la puissance x. Signifie que 2 à la puissance x sur 3 à la puissance x est égal à 2. Signifie que 2 sur 3 à la puissance x est égal à 2. Je vais appliquer le logarithme base 2 sur 3 de 2 sur 3 à la puissance x est égal au logarithme base 2 sur 3 de 2. Ou tchatena, x est égal logarithme base 2 sur 3 de 2. Je passe à la correction de l'exercice numéro 25. Alors, résoudre dans R les équations suivantes. La première question, 2 fois 3 à la puissance moins 2x plus 1 plus racine carrée de 3 fois 3 à la puissance moins x plus 1 est égal à 2. Alors, signifie que ici, c'est 3 fois 3 à la puissance moins 2x, ça va devenir 6 fois 3 à la puissance moins x au carré, plus 3 racine carrée de 3 fois 3 à la puissance moins x, moins 2 est égal à 0. Remplaçant 3 à la puissance moins x par t, ça donne une équation de second degré en t. Delta est égal à 27 plus 48 est égal à 75. 75, c'est 5 fois racine carrée de 3 au carré. Donc 3 à la puissance moins x est égal à moins 3 racine carrée de 3. Moins 5 racine carrée de 3 sur 12, c'est impossible. 3 à la puissance moins x est égal à moins 3 racine carrée de 3 plus 5 racine carrée de 3 sur 12 qui est égal à racine carrée de 3 sur 6. Donc, ce qui signifie que j'ai appliqué le logarithme de base 3, de 3 à la puissance moins x, est égal au logarithme base 3 de racine carrée de 3 sur 6, ça va donner moins x est égal au logarithme base 3 de racine carrée de 3 sur 6, signifie que x est égal à moins logarithme de base 3 de racine carrée de 3 sur 6. Donc l'ensemble de solution, c'est moins logarithme de base 3 de racine carrée 3 sur 6. La question suivante, c'est x racine carrée de x est égal racine carrée de x à la puissance x. Le domaine de définition de cette équation, c'est 0 vers plus l'infini. Alors ceci est équivalent, je vais appliquer le logarithme népérien. C'est
logarithme de pi 1 de x à la puissance racine carrée de x est égal à logarithme pi 1 de pi 1 de racine carrée de x à la puissance x. Ça va donner racine carrée de x fois logarithme de pi 1 de x est égal à x fois logarithme de pi 1 de racine carrée de x. Ça donne racine carrée de x fois logarithme de pi 1 de x est égal à 1 demi fois x fois logarithme de pi 1 de x. Je factorise par x, c'est logarithme de pi 1 de x, facteur de 1 demi x moins racine carrée de x égale 0. Signifie que ln de x est égal à 0, ou je vais factoriser par racine carrée de x, 1 demi racine carrée de x moins 1 est égal à 0. Ça va donner, ici c'est x est égal à 1, ou x est égal à 4. Donc l'ensemble de solution, c'est 1, 4. Je passe à la question suivante. C'est 4 à la puissance x, moins 3 à la puissance x moins 1 demi, est égal à 3 à la puissance x plus 1 demi, moins 2 à la puissance 2x moins 1. Alors c'est équivalent à 4 à la puissance x, moins 1 sur racine carrée de 3, 3 à la puissance x, égale 3 à la puissance 1 demi, c'est racine carrée de 3, fois 3 à la puissance x, moins 2 à la puissance 2x, c'est 4 à la puissance x sur 2. Signifie que, et bien j'ai bien là, à tous les 3 demi, fois 4 à la puissance x, égale racine carrée de 3, plus 1 sur racine carrée de 3, 3 à la puissance x, il y a 4 sur racine carrée de 3, fois 3 à la puissance x. Ça signifie que c'est 4 à la puissance x sur 3 à la puissance x est égal à 8 sur 3 racine carrée de 3. Signifie que 4 sur 3 à la puissance x est égal à 8 sur 3 racine carrée de 3. Je vais appliquer le logarithme de base 4 sur 3 de 4 sur 3 à la puissance x est égal au logarithme de base 4 sur 3, 8 sur 3 racine carrée de 3. Ce qui signifie que x est égal au logarithme de base 4 sur 3, 8 sur 3 racine carrée de 3. Donc l'ensemble de solution, c'est logarithme base 4 sur 3 de 8 sur 3 racine carrée de 3. Je passe à la question suivante. C'est x à la puissance x plus 1 est égal à x à la puissance 6 sur x. Donc le domaine de définition est égal à 0 plus l'infini. Je vais appliquer le logarithme népérien, ln, de x à la puissance x plus 1, qui est égal à ln de x à la puissance 6 sur x. Signifie que x plus 1 ln de x est égal à 6 sur x fois ln de x. Signifie que je vais factoriser par ln de x, facteur de x plus 1 moins 6 sur x est égal à 0. Signifie que ln de x, facteur de x au carré plus x moins 6 sur x est égal à 0. Signifie que ln de x est égal à 0, ou x au carré plus x moins 6 égale 0.
Delta ici, c'est 25. X1 est égal à moins 3. Ou X2 est égal à 2. Signifie que X est égal à 1. Ou X est égal à 2. X est égal à moins 3 n'appartient pas au domaine de définition. Donc S est égal à 1 et 2. Je passe à la question suivante. C'est 2 à la puissance 2x moins 1 plus 3 à la puissance x plus 4 à la puissance x moins 1 demi moins 9 à la puissance x sur 2 plus 1 égale 0. Alors, ceci est équivalent à... Là, c'est 1 demi fois 4 à la puissance x, plus 3 à la puissance x, plus racine carrée de 1 sur racine carrée de 4, c'est 1 demi. 4 à la puissance x, moins 9, fois 3 au carré à la puissance x sur 2, égale 0. Ça va donner 1 demi 4 à la puissance x plus 1 demi 4 à la puissance x, c'est 4 à la puissance x. Plus 3 à la puissance x moins 9 fois 3 à la puissance x égale 0. Signifie que 4 à la puissance x est égal à 8 fois 3 à la puissance x. Signifie que 4 sur 3 à la puissance x est égal à 8. Je vais appliquer l'algorithme de base 4 sur 3. De 4 sur 3 à la puissance x est égal au logarithme de base 4 sur 3 de 8. Signifie que x est égal logarithme de base 4 sur 3 de 8. Donc ensemble solution, c'est logarithme de base 4 sur 3 de 8. Je passe à la dernière question. C'est x à la puissance racine carrée de x est égal à racine d'ordre 4 de x à la puissance 1 plus racine carrée de x. Le domaine de cette équation, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc je vais appliquer le logarithme n'est pas rien. C'est x. Logarithme népérien de x à la puissance racine carrée de x est égal à logarithme népérien de racine d'ordre 4 de x à la puissance 1 plus racine carrée de x. Signifie que racine carrée de x fois ln de x est égal à 1 plus racine carrée de x fois ln de racine d'ordre 4 de x. Signifie que racine carrée de x ln de x est égal à 1 plus racine carrée de x sur 4 ln de x. Je factorise par ln de x, facteur de racine carrée de x moins 1 plus racine carrée de x sur 4 égale 0. Signifie que ln de x facteur de 3 racine carrée de x moins 1 sur 4 égale 0. Signifie que ln de x est égal à 0 ou 3 racine carrée de x est égal à 1. Signifie que x est égal à 1 ou x est égal à 1 sur 9. Donc l'ensemble de solution, c'est 1 sur 9.